Bon, maintenant, allons voir qui sont les derniers mythes que j'ai pu recevoir au centre d'entrepôt. Peut-être Master Clay encore? Ou encore Julie? Le tour de bizarre? Avec des lunettes. Maman, je suis en vidéo. Okay, mais je vais en prendre une marche puis tu mangeras tout à l'heure. Ouais, ouais. Excusez-moi là pour l'interruption. Eh oui, le tour de bizarre avec des lunettes. Julie, ça fait la 20e fois que je la rencontre. Oh, en passant, ok, quand tu rencontres un mi à toutes les 10 fois et que tu joues à Manon Monstrueux, il va t'offrir un cadeau. Fait que dans ce cas-là, puisque je vous ai dit que je vais jouer 2 fois dans Manon Monstrueux, ben, je vais recevoir un cadeau de la part de Julie. Lily, les 6 fois. Et voilà Azuris, juste à côté. Ça va faire la 101e fois aujourd'hui que je le rencontre. Et ça fait 101 fois que je le rencontre. Et j'ai déjà envoyé un message personnel comme quoi que j'ai atteint 100 rencontres avec lui. Ça, c'est Eric. Ça fait la 2e fois que je le rencontre aujourd'hui. Celui de Mario Kart 7. Et comme à chaque fois, la prochaine fois que vous croiserez Eric via StreetPass, votre évaluation lui sera envoyée. Pas avant. La deuxième fois que j'en rencontre elle. Je vais attendre. On va oublier Ville en fleurs pour aujourd'hui. On va aller dans Manoir Monstrueux. Ok. Explorer. Moi, je suis supposé de recevoir un cadeau de sa part. Puisqu'à chaque 10 rencontres, quand vous voyez... Quand quelqu'un vous voyez un cadeau encerclé d'un cercle rouge... Ça veut dire que vous allez recevoir un cadeau de la part du Mi. Que vous comptez à chaque 10 rencontres. Là, ça fait la 20e. Là, je vais aller voir la pièce. Ok, j'ai ces morceaux-là. J'ai reçu une invisibilité. Un invisible cap. Bon, pour moi, j'en ai pas besoin. Quand même quelques des choses intéressantes ici. Hein? Une pièce en forme de T, en forme de carré, 2 morceaux de tuiles, 1 morceau de tuile, puis 1 morceau en L.
On va aller voir si je peux pas le mettre ailleurs. Choisir un étage. On va m'en mettre ici. Je peux toujours sacrifier quelque chose. Ok, je gagne 358 d'expérience. Environ 165 de plus pour un indem. Et 323 gemmes. Bon, un coffre plus Julie. J'obtiens 10 gemmes. Oh, il y a une possibilité que. Qui me donne. Un conseil à résoudre. Bon. De niveau 4 étoiles. Bon, ça sera pas évident, mais il faut que j'essaye. Ouais, elle est d'être bien partie. Hein. En fait, il est parti, oui, mais après ça. Essayons comme ça. Ça, c'est l'effet inverse. Bon, j'ai dit l'effet inverse, mais en tout cas, ça paraît de bien marcher. Ah, là, je l'ai. Ah, il fallait juste que j'inverse ces trois pièces-là. Mm. Et voilà, nouveau record, 1 minute 38. Ah, c'était pas si dur que ça. Et regardez, qu'est-ce que j'obtiens? Capsule cœur M. 2 HP de plus. Yay! Un bon prix pour un bon record. Yay! Bon, je vais créer des gemmes. Je vais me débarrasser de tout ça ici, j'en ai pas besoin. Un peu 200 gemmes de plus. Encore un autre. Pour 200 gemmes de plus. Ensuite, je vais me débarrasser de l'Invisica. Ça va me donner un 100 de plus. Je vais quitter. Et on continue notre route. Un blanc. Ok, je sais où le mettre celui-là. Ah ouais, on s'en va directement à l'étage 44. Bon, alors voir de quelle manière je vais bien mettre ça. C'est assez fort. Poids, poids, poids. Non, pas celui-là.
C'est pas la bonne orientation. Je vais le changer pour ça. Ça, Laurent, je sais exactement ce que je vais le mettre. En forme en L, puis en forme en... Genre, un côté gauche, puis après ça, on monte un petit peu vers le haut. Du côté... Non, on a le côté droit, puis on s'en va vers le côté gauche. Puis en côté d'escalier, choisir un étage. Non, pas ici. Pas ici. Ici. Ok, prendre une pièce, je prends celui-ci. Oh, trois coffres. Non, deux coffres de plus, puis Azuris. Pour que je puisse faire équipe avec quelqu'un, il faut qu'il y ait le jeu. 2220 gemmes, wow! Impressionnant. Oh, 1947 gemmes. Ah, ben tiens. Il m'a trouvé encore un autre morceau de cassette à résoudre. Que c'est bien le fun. Bon, rejoignons-nous pour une deuxième partie, tiens.